Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle série avec 3 raisons de voir ou de ne pas voir un Disney, et c'est tout de suite avec La Belle au Bois Dormant. 3 raisons de ne pas voir ce Disney. La Princesse Aurore. Première raison de ne pas voir ce Disney, La Princesse Aurore, qui je trouve n'est pas assez intéressante dans le Disney, pas assez exploitée. Elle est peu présente et c'est quand même une des princesses qui a le moins de répliques dans son Disney. Les personnages. Deuxième raison, je trouve que dans ce Disney, il y a trop de personnages pas assez exploités également. On ne sait pas grand chose sur eux. Nous avons la princesse Aurore, Flora, Pâquerette et Pimprenelle, les trois fées, Maléfique, les sbires de Maléfique, le prince Philippe, les parents du prince et de la princesse, et les animaux de la forêt. Les couleurs, les décors. J'aime personnellement pas du tout les couleurs et les décors de La Belle au Bois Dormant, avec ses petites teintes de couleurs très sombres et ses couleurs flashy comme les habits des fées et les flammes vertes de Maléfique. Trois raisons de voir ce Disney. Maléfique. Maléfique est une des vilaines les plus charismatiques du monde de Disney. Elle est très impressionnante avec ses couleurs noires et violettes. Elle peut se transformer en dragon. Elle a une magie très puissante. Elle fait du mal à Aurore physiquement et du mal à Philippe mentalement. Une belle histoire. Deuxième raison que j'aime ce Disney, c'est simplement son histoire. Je trouve qu'il y a une très jolie histoire derrière tout ça, avec le mauvais sort de Maléfique, les parents qui veulent faire un mariage forcé avec le prince Philippe et la princesse Aurore, la princesse Aurore qui va évidemment tomber dans un sommeil éternel, le prince Philippe, lui, va vouloir justement se battre contre Maléfique pour justement sauver sa princesse. Le prince va sauver cette fameuse princesse et ils vont vivre heureux. Et justement, la petite scène marrante, c'est qu'à la fin, les parents vont se rendre compte qu'ils ont réussi à tomber amoureux sans se forcer. Walt Disney. Si vous ne le saviez pas, La Belle au Bois Dormant est le dernier Disney princesse où Walt Disney a contribué. Ça vaut au moins le coup de le regarder en mémoire à Walt. Voilà les amis, je vous ai donné 3 raisons de voir ou de ne pas voir La Belle au Bois Dormant. Maintenant, à vous de voir si vous voulez le regarder. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous, vos raisons ou pas si vous aimez ce Disney. Sachez évidemment que ce sont seulement mes avis, ce n'est pas des recherches ou quoi que ce soit, ce sont mes propos, mes points de vue. Mettez également en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochains 3 raisons, je peux en faire sur tous les Disney. Donner mon avis, c'est justement important, je trouve. N'hésitez pas à partager, liker, et c'est tout, ça suffira. Je vous fais plein de bisous et salut tout le monde.